Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue sur Plastique TV. L'émission d'aujourd'hui parlera de la poursuite d'études, car beaucoup de jeunes s'arrêtent au bac. Rejoignons Damien Mia qui est avec un jeune bachelier. Damien Mia ? Alors lui, Georges Alain, j'étais avec Pierre Anatole, j'étais en train de lui expliquer qu'il fallait pas arrêter ses études après le bac, qu'il fallait faire un BTS Europlastique. Et maintenant, on va lui demander si vous voulez en faire un. Alors, vous en pensez quoi de BTS Europlastique? Oui, je m'inscris, vous inquiétez pas, je m'inscris, je vous inquiète pas. C'était Damien Mien pour Plastique TV. Ah, sacré Damien Mien! Mais c'est pas comme ça qu'on va recruter. Sans transition, rejoignons François Kuhn en direct dans l'atelier de plasturgie. Alors voilà, j'ai allumé la machine, elle s'est mise à fumer, mais il n'y a toujours pas de pièce qui sort. C'était François Kuhn pour Plastique TV. Eh oui, que je voulais que je vous dise, la plasturgie c'est pour les professionnels, mais ne vous inquiétez pas, car avec ces images, vous allez mieux comprendre. L'injection commence par le dosard, ou la fermeture du moule, avance du ponton, injection dans le moule, refroidissement, dosage, ouverture du moule, et paf ! La pièce qui s'éjecte. Mais la plasturgie, c'est aussi le composite pour faire des barres, l'extrusion gaine pour faire des sacs, l'extrusion soufflage pour faire des flacons, et ainsi les techniques de décoration. Chers téléspectateurs, je viens d'apprendre un événement exceptionnel. Notre cher président bien-aimé veut vous adresser quelques mots. Regardez. Welcome ladies and gentlemen. You obtained the HNC in plastic industry after a 2 years course. It is composed of a basic subject, professional education and experiments. You will be able to go on a training course to a European Union country. This experience will offer you a wide range of better future careers. Ladies and gentlemen, thank you very much for your attention. Merci à vous, Président. Chers téléspectateurs, merci de votre attention. Pour plus de renseignements, allez sur le site europlastique.fr. Bonne continuation et pensez Europlastique ! Europlastique !